כן יחשוב בכל עת כאילו הוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא, השתבח שמולעד, כאשר יעמוד איש לפני רעהו, כאשר יעמוד איש לפני רעהו, כמו זה יפה סנטיר, הוא סטיין דבר השם, כמו une personne se tient devant son ami. Comme ça, il faut sentir. La présence de quelqu'un, on la sent, même si on le voit. Vous connaissez ça ? On sent qu'il y a quelqu'un. Yeah, ça marche. Regardez, on sent qu'il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Tu te retournes, il y a quelqu'un. Tu sens une présence. Hop, il y a quelqu'un. D'où ça vient ça ? Ah. L'homme, c'est pas que de la chair, de la viande. L'homme, c'est plein de orot, de gdusha, orot mekifim. Il y a des choses qui émanent de l'homme. Et ces choses-là, on les ressent. Comment tu sens une présence sans aucun bruit? Il y a des neshamot ici, il y a des... Kolchiken, quand on voit la personne, à côté de nous, il est en face de nous, on lui parle, on est conscient de sa présence. Bye bye. Comme ça, exactement, on se trouve avec Hachem. Ka'asher ya'amod ish lifnei re'ehu. Comme une personne se tient devant une autre, comme ça on se tient devant Hachem. La même chose. Hachem est là, présent. Il faut juste développer ce sens-là chez nous, ressentir la présence d'Hachem constamment. Uvaze ishmor derachav mechato. Si on fait ça, si on y arrive, alors un homme préservera ses chemins de fauté. Gampi vulshono. Pareil, sa parole, sa bouche, c'est une question d'habitude. C'est une habitude, faire attention, d'avoir la bouche propre. Prophète Sraï, madame Shalom, il a travaillé tellement dur sur le Lashon Hara, tellement il a fait de ça, il n'a pas fait de ça, c'est une mitzvah très importante, de toute façon, c'est pas qu'il en a fait une mitzvah, mais il a réussi à absorber cette mitzvah dans ses veines, qu'une fois, il a entendu quelqu'un qui lui parlait, et cette personne en lui parlant, elle lui a dit de Lashon Hara sur quelqu'un. Prophète Sraï, il a trouvé à qui dire de Lashon Hara. Il a dit, j'ai eu la chaîne au Khafet Sraï. Ça lui a fait tellement mal qu'il a eu du pu qui est sorti des oreilles. Khafet Sraï. Comme ça, on raconte. Infection dans l'oreille, il a eu. Tellement il a rendu son oreille kadosh que le Khafet Sraï ne pouvait pas supporter une parole de la chaîne Ara, infection. Comme ça, il faut sentir aussi Hachem. Il faut sentir qu'il y a Hachem. Quand tu veux parler, impossible de parler un mot vulgaire, c'est impossible. Il faut que quand on entend une vulgarité de la bouche de quelqu'un, ça nous choque. Ça fasse mal. Comme Khilul Shabbat. Voir Khilul Shabbat, malheureusement, on en voit, mais ça doit faire mal. Quelqu'un qui ne voit jamais Khilul Shabbat, il y avait un tzaddik qui est monté en Israël. Un tzaddik connu, j'ai oublié son nom. Ah, des Gdolei Olam. Hein? C'est pas Khafetz Chaim. Khafetz Chaim, je crois qu'une fois il a changé de ville. Khafetz Chaim, je crois. Une fois, dans sa ville, il n'y avait pas de Khilul Shabbat, rien du tout, personne. Tout le monde était tzaddikim. Ou Khafetz Chaim ou quelqu'un d'autre, je ne me rappelle pas. Il est arrivé dans une autre ville. La première fois qu'il a vu Khilul Shabbat, il s'est évanoui. Évanoui. Khilul Shabbat. Un juif, il me rappelle le Shabbat, il faut le... Comme ça, la nefesh, la neshama, elle doit être sensible à la kedusha. Là-bas, il raconte que c'était la première fois. La deuxième fois, il a vu Khilul Shabbat. Ça lui a fait déchirer le cœur. Mais il ne s'est pas évanoui. La troisième fois, ça lui a fait mal. Et... Non, mais il s'habitue. Il a perdu la sensibilité du Khilul Shabbat. Une fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Ça y est. Comme nous on entendait dans les nous des malheurs, des choses, et celui-là, il est malade, celui-là.
sensibiliser le cœur à chaque fois, on va plus vivre. Mais c'est quand même, il faut. Il faut que le cœur soit sensible. Sensible au malheur des uns, sensible à la proximité d'Hachem. Quand le Bokhu, il est là, il faut le sentir. Et c'est un travail. Et c'est une habitude. Et comme on a dit, on arrive à ça, à étudier le Moussa. Beaucoup de Moussa. Beaucoup, beaucoup de Moussa. Ve'alken amar da ma'ale ma'ala mimach a'in ro'a ve'ozen shoma'at sach qu'est-ce qu'il y a au-dessus de toi, un œil qui voit, une oreille qui entend. Umana elu shne dvarim a'in ro'a, l'œil qui voit. Alors on a dit, le Rav lui-même a dit, c'est la même chose, l'œil qui voit, l'oreille qui entend, les actions qui sont écrites, tout ça c'est la même idée. Pourquoi on a séparé ça en trois? A'in ro'a, tu saches les actions, les actions sont enregistrées. Ils ont fait les caméras, aujourd'hui, les caméras. Une fois, on m'a fait lire un article d'une femme qui travaille dans un magasin de vêtements. J'ai raconté ça une fois, je n'ai pas longtemps. Elle travaille dans un magasin de vêtements. Et au début, dans son travail, il n'y avait pas de caméra. C'est dans le magasin. Ils n'ont pas installé les caméras. C'était encore nouveau, les caméras. Ils n'ont pas installé. C'est une femme religieuse, Chas v'shalom. Mais il n'y avait pas de caméra. Et un jour, le patron a décidé d'installer des caméras dans le magasin. Tout le magasin, il n'y a pas un coin qui n'est pas filmé. Tout est filmé. Et là, elle raconte la dame comment elle s'est sentie frustrée du matin au soir, alors que jamais elle avait le paquet, elle voulait voler. Aval. Toujours être vu, toujours être analysé, toujours à quelle heure on a pris le café, à quelle heure on a fait ci, à quelle heure on est parti à ce moment-là, quand est-ce qu'on est sorti, quand est-ce qu'on est revenu. C'est frustrant. Toujours une caméra comme ça qui en regarde. Et cette femme-là, elle raconte qu'elle a fait Cheshbon Nefesh sur la caméra d'Hachem. Qu'on est filmé 24 heures sur 24. Et qu'au contraire, ça ne doit pas être quelque chose de frustrant. Mais au contraire, on est pris en main par Hachem. 24 heures sur 24, quand je vous crois, il est avec nous, il nous regarde, il nous surveille. Il nous surveille pas dans le mal, forcément, aussi, mais dans le bien aussi. Il voit toutes nos bonnes actions aussi. Quand il fait une fila, quand il fait une bracha, ça aussi c'est filmé. Mais on n'est pas content de ça, on est content. Tout est filmé. Tout. Le maître, regardez comment un homme il se comporte quand il est filmé et quand il n'est pas filmé. Elle a raison, cette dame. C'est frustrant. Il faut savoir qu'on est filmé. Aïn Roa, 24 heures sur 24. Enregistré. Aujourd'hui, les enregistrements, ils s'effacent après quelques jours. On ne peut pas stocker beaucoup. Après 24 heures, ça s'efface automatiquement. Chacun de ça ne s'efface jamais. Il y a plein de gigas dans le ciel, mais vous n'avez pas à s'inquiéter. Plein, des tonnes. Il y a le stockage. Ensof, Baruch. Tout est filmé. Kadosh Baruch Hu, il connaît les ma'asim aden tachlit, on dit Rosh Hashanah. Toutes les actions mibriyat ha'olam de toute l'humanité. Vous vous rendez compte? En nista limecha minegad anecha. En. Kadosh Baruch Hu, il sait toutes les actions de toute l'humanité depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps. Tout est enregistré. Aïn roa keneged amase, veozen shomaat keneged adibur, vechas veshalom lomar aïn veozen mamash chas veshalom, yavichi aïn ya ozen shashem, ela lomar she'en maase nistar lefana velo ma'amar ne'ela mimenu, y'a pas une action qui est voilée de devant lui, et pas une voix, un son, une parole qui n'est pas enregistrée, qui n'est pas écoutée. אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו מגידין לו לאדם בשעת הדין. להגיד לאדם מסכות. Même une שיחה קלה, un homme, il est à la maison le soir, il parle avec sa femme. De quoi on parle avec sa femme?
de tout et de rien. Oui, il n'y a qu'avec sa femme qu'on parle de ces choses-là. Au Bet Midrash, tu parles de tout et de rien. Chas v'shalom. Sichakala, c'est rak ben ishlishto sichakala. Ma sichakala entre amis, ma sichakala, ma pitan. Entre amis, rak Torah. Chidouj, vezet, vankay. Hizouk. Comment tu trouves sichakala ben ishlishto? C'est la Gemara qui dit ça. Afilou sichakala, j'ai ben ishlishto, même une sicha simple. Elle a parlé à Mandy, ce qu'elle a fait de la voisine. Tu sais, aujourd'hui, j'ai vu une poussette. De... Donc, c'est bien. Combien ça coûte? Alors, ah, pas cher. Kitsou, si chakala, je bénis les jetons. Magidim lola adam, mécha, t'as dit. Même ça, on lui dit à l'homme, bien, on a dit. Là, t'as dit ça, là, t'as dit comme ça, là, t'as dit comme ça, là. Si c'est correct, c'est des psychakala de chizouk, c'est bien. Si c'est chakala de bitul Torah, pardon. Filou psychakala. On travaille dans ce monde pour être prêt pour l'an, même pas. Zéro. Il ne faut pas oublier ça. On n'est pas dans ce monde pour se détendre. C'est pas vous. C'est pas haut. Bien que la Avodat Hashem, c'est une détente. C'est la plus grande détente du monde. Oui, c'est celui qui comprend, c'est le. Le plus grand plaisir dans la vie de l'homme, c'est la Avodat Hashem. C'est le plus grand plaisir. Il n'y a pas plus grand plaisir qu'Hashem. Il ne faut pas oublier qu'on est là que pour ça. Oui, chaque action, chaque parole, chaque geste, chaque pensée, tout est enregistré, tout sera jugé dans l'âme. Tout. On est là dans ce monde pour se préparer en l'âme à pas. Comme ça, il dit derrière Hashem, non? Oui, ils sont là le matin. C'est dit qu'il derrière Hashem. Hein? Comme ça, il dit derrière Hashem. Kadosh Baruch Hu a fixé un temps de travail, il a créé ce monde, il a créé deux temps. Le temps du travail et le temps du salaire. Il y a deux périodes. Et la période du travail est limitée. C'est la vie de l'homme. La période du salaire, illimitée. Netzach netzachim, c'est écrit là-bas. À l'éternité, le salaire à l'éternité. C'est pas, comment on dit, proportionnel? Hein? C'est pas comme ça, ça marche. Qu'est-ce que c'est ça? Un homme, il travaille dans ce monde. Combien c'est le salaire? Juillet et août. C'est tout. C'est l'inverse. Il travaille toute l'année pour le mois d'août. C'est ça le rapport. Il travaille toute l'année comme un chamor pour le mois d'août. On va en vacances, toute la famille, au mois d'août. Tu vois pas les vacances. Bref. À chaque fois qu'on va croire dans cet endroit-là, ça va être mieux. Le Kitsu, c'est ça le. Kadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Kadosh Baruch Hu, il a créé la vie, c'est la période de travail. 70 ans, 80 ans, 120 ans, c'est la période de travail. Après, il y a le salaire. Combien? L'éternité. Netzach, Netzachim. Comme ça, c'est écrit. Netzach, Netzachim. L'éternité, c'est le salaire. Pour un salaire aussi important, il faut travailler. Hein. Il faut travailler sérieusement. Travailler comme il faut. 70 ans, c'est du travail, 70 ans. 70 ans, c'est pas du tout. On n'est pas dans ce monde pour profiter du tout, du tout, du tout, du tout. Il faut se mettre ça dans la tête. Plus on se met ça dans la tête rapidement, et plus la vie sera facile. Moins une personne comprend ça, et au contraire, il croit que dans ce monde, c'est pour avoir des moments de profit. Tout le monde sait que c'est pas toute la vie qu'on peut profiter. Mais un des buts de ce monde-là, de cette vie, c'est de profiter aussi de ce monde. Mais c'est quelqu'un qui souffre. On ne peut pas profiter de ce monde. Les profits viennent d'eux-mêmes. Les plus grands profits, c'est quoi? Shabbat. Shabbat Kodesh. C'est le plus grand profit de la terre. Pish, celui qui comprend Shabbat. Havaï, moi-même. Comprendre c'est quoi Shabbat? Me'en olam abba. Un soixantième du olam abba Shabbat. Qu'est-ce que tu pars en vacances? Qu'est-ce que tu as besoin d'aller en vacances? Et si tu vas au restaurant, si tu vas là, 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 il n'y a pas le choix de temps en temps, il n'y a pas le choix. Aval, le plus grand profit, c'est Shabbat Kodesh. C'est les fêtes, c'est Pessah, c'est Sukkot, c'est Shavuot, c'est Chol HaMoed, c'est les vacances. C'est les vacances, c'est merveilleux. C'est la Simcha, c'est la Kedusha. Kadosh Baruch Hu nous donne toutes les semaines un jour de vacances. Un vrai Shabbat Kodesh. Azlachen, il dit le Rav,
En ma'ase nistar lefana velo ma'amar ne'ela mimeno. Il n'y a pas une action qui est voilée d'Hachem. Pas une parole. Et c'est comme ça que ça doit être. Et c'est très bien que c'est comme ça. À nous de faire attention. À vous de jouer. C'est comme ça. Faire attention à nos actions, faire attention à nos paroles, faire attention de ne pas faire bitul Torah, faire attention de ne pas vexer personne, faire attention de ne pas faire des actions qui blessent, etc., etc. Faire les mitzvot comme il faut, faire une bracha comme il faut, les tfilot comme il faut, les tfilot comme il faut, les tfilot, rabotai, les tfilot. J'ai dit, je reviens prier à la yeshiva comme ça, j'ai dit. J'annule. Ah, rien, c'est moi, je ne peux pas rester 3 heures comme ça le matin. Tfilot, tfilot, tfilot. Comment on peut parler? Comment on peut parler d'un niveau le plus infime qui soit de monter dans la Avodat Hashem s'il n'y a pas la tfila? C'est impossible. Comment on peut parler de connaître le chasse? Comment on peut parler d'une ma'ala, de chassidut, de tout ce qu'on aimerait tellement faire dans la Avodat Hashem, si on commence pas à prier 10 minutes avant la tfila. Pas à l'heure, avant la tfila. C'est impossible. Impossible, ça commence même pas. Il faut, au final, mettre toutes les choses à leur juste mesure. Si dans la tfila, un homme ne fait pas une tfila comme il faut le matin, la tfila de Shachrit comme il faut, pour l'instant, il ne cherche pas autre chose. Il t'aura. Rendez-vous avec Hachem le matin, tous les matins, rendez-vous, première chose du matin, rendez-vous avec Borei Olam. Tu ouvres les yeux, on ouvre les yeux le matin, on n'a rien de droit de faire avant la tfila. Si on avait le droit de faire autre chose, tu me dis tfila, c'est comme une. T'as rien de droit de faire avant la tfila, t'as rien de droit de goûter avant la tfila. On ouvre les yeux, Elokai Neshama, direct tfila. Si c'est pas là-bas qu'on commence la journée, qu'est-ce que je vais faire après? De la Kabbalah? Une blague. Tu veux faire des ignanim, moussard, et tout ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Razonich dit ça. Tous les soirs, ils disent ça. Tfila s'entraîne Torah. Torah s'entraîne Tfila. Tout le monde dit ça. Un et un briquet dans deux. Ah, ça commence pas. La chaîne, elle commence même pas à tourner s'il n'y a pas la Tfila. Choliot. Ce premier travail à faire, avant Torah, avant Midot, avant tout, c'est Tfila. La première chose, première brique à poser pour construire un bâtiment. Même pas on est dans la brique, on est dans les fondations. Première chose, c'est Tfila. Avant ça, il n'y a rien à discuter. On parle de ressentir Hachem. On parle de Hachem, il nous entend, Hachem, il nous voit. Toutes ces choses-là, c'est important, c'est des niveaux. Si on n'a pas développé ça au niveau de la tfila, comment on peut développer ça dans la journée? Si on peut dormir le matin et traîner dans le lit et ça ne nous dérange pas qu'Hachem nous voit comme ça. On ne peut pas développer ça dans d'autres choses. Ben non, ça commence là. Ça commence là, le lever. Il se gaber kaari, sa première alakha dans Shulchan Aruch. Il se gaber kaari, la amod, baboker, la bodat, bo'o, shi'u me'or, rachacha. Je ne dis pas arriver à l'heure de la tfila. Je dis arriver 10 minutes avant l'heure de la tfila. Moins que ça, on n'a même pas commencé encore un degré dans la Avodat Hashem. C'est pas chouette ce que je vous dis. Mais pas un degré, on n'a pas fait encore un pas. Premier pas, cette fille-là. Et pas de manière en rizouk, demain matin, Bezat Hashem, Minyan, à 7h, il y aura Minyan, sans moi. Non, pas ça. Un jour, deux jours, trois jours, ma putain. Toute la vie, un kinyan, c'est pas chaud, toute la vie. Il n'y a pas Ben Azmanim, il n'y a pas de tfila. Qu'est-ce que c'est Ben Azmanim? On va prier à 8 heures? Ah, jamais de la vie. Toute la vie, il n'y a pas un jour où il faut rater une tfila comme il faut. Ça arrive, Ras Shalom, on ne sent pas très bien, on a mal dormi. D'accord, alors la tfila, ça ne va pas être la même qualité. Eh, malasot. On n'a pas tous les jours Galdou de Mourine, on a des jours où on n'arrive pas à être Mecha. Ah, ben, les actions, elles restent les mêmes. Le rythme de la tfila reste le même, l'horaire de la tfila reste le même, tout reste pareil. Temidin, Kisidran, Moussafim, Kirhan, Korban, Tamid, Bitul, Korban, Tamid, Aya, Beshiva, Asam, Betamuz, Bital, Boutal, Tamid. Vous savez c'est quoi Korban, Tamid? Korban, Tamid, c'est un Shabbat, on le fait.
Tu fais un korban Shabbat. Le sang, la shrita, les... Madaï, tu brûles, madaï, Shabbat. Non, c'est korban tamid, korban tamid, c'est d'autres Shabbat. Tellement c'est important devant Hachem, la tmidout, toujours, constamment, tamid. Bah, poker, bah, erev, kodesh, kodashim, korban tamid, c'est le korban le plus kadosh de tous les korbanot. Pourquoi? Parce qu'il est tamid. C'est le seul korban qui vient de tout Am Israël. Tout en Israël amène le Corban. C'est le Corban le plus kadosh. Lama, tamid. Tous les jours. Il a l'horaire. Regardez l'Amma. Il a un horaire, le Corban tamid. Il a un horaire où on l'amène tous les jours à la même heure. Toute l'année. Ça ne change jamais. Peu importe les fêtes, les bêtes, ça ne change jamais. Alors là, tamid. Et tfilot. Keneged. Tmidin. Comme ça c'est écrit dans la Masechet Brachot. Mandama qui dit tfilot keneged avot. Mandama tfilot keneged midin. Et c'est pas, ils ne sont pas cholkim. Tfilat shachit keneged tamid shel shachar, shel boker. Tfilat mincha keneged tamid shel ben arbaim. Et tfilat arvit keneged ne'imurim. Les membres qu'on brûle sur le misbeach la nuit. Les tfilat arvit. Tfilot keneged tmidin tiknoun. Azlet tfila, elle doit ressembler au korban tamid. Korban tamid, une fois comme ça, une fois comme ça. Une fois, oh, aujourd'hui j'ai oublié. T'as oublié korban tamid au Beit HaMikdash? Bon, bon, Am Israël. Shem Menachem. Je sais ce qui se passe. Kohen, il a dormi. Il y a une histoire, dans le chat, une histoire comme ça. Une fois dans l'histoire du Beit HaMikdash, 800 ans de Beit HaMikdash, 830 ans, il y a eu une fois que le Kohen il a loupé le Tamid. Jamais. Si ce n'est que les Goïms sont venus, ils ont le Tamid. Mais Tfilot, qui a négat Tmidin, dit que non. Tfila, ça doit ressembler à ça. Tmidin, qui s'y doit. Tmidin, qui s'y doit. Et là, ça commence. Avant ça, ça ne commence pas. Il faut se renforcer. Pas une fois une psychiatrie de l'usée. Il faut comprendre ça une fois pour toutes. Il faut la tfila, que ce soit un kinyan. La tfila, c'est la centrale nucléaire. C'est le noyau. Noyau, c'est l'atome de l'avodat Hashem. Le noyau de l'atome de l'avodat Hashem. C'est là, c'est de là que tout commence. Amen.